Okay. Oh, well, do I have a confirmation then? Flight 963, leaving tomorrow morning at 7:35. Thank you very much. That's sweet. Thanks. Well, so that's everything, right? Okay. Thanks very much. Bye. Hey, je suis content que tu restes une journée de plus. On va avoir l'impression que le voyage n'est pas fini, que les vacances continuent. Sauf que Montréal, c'est pas Paris. Mais c'est pas grave, je vais soigner mon jet lag. Non. Décalage horaire, Jennifer, on dit décalage horaire. Et puis, tu sais quoi, un décalage horaire, ça se soigne pas vraiment, ça. Ça passe tout seul. You're kidding. Si tu veux, là, on sort pas de la journée. On s'habille même pas. Mm. Alors, si jamais on a le goût d'aller... Écoute, j'étais sérieux, hein, dans l'avion. Hein. J'aimerais ça si tu venais à Montréal plus souvent. Je m'ennuie quand t'es pas là, moi. Surtout que ta mère est partie. Non, ça n'a rien à voir. Remarque, ça rend toutes sortes de choses possibles entre nous. Mais avant d'aller plus loin dans notre relation, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ton histoire, là, avec tes filles, puis ton vieux cinéma. J'aimerais ça voir. I'd like to see that place. Tu veux dire maintenant, là? Oh, pourquoi pas? Non, c'est... Non, c'est une... business familiale, tu vois. Family business. Ah, je suis pas invitée, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est parce que là... c'est pas encore prêt, c'est pas fini, alors. I don't know what the big secret's about. Non, y a pas de secret. C'est... Je vais te montrer ça à un moment donné, tu vas voir. À un moment donné, je vais te montrer ça. Oui, allô? Jean-Denis, c'est Isabelle. J'aurais aimé ça te voir, là. Tu veux dire maintenant, là? Ben, le plus vite possible. Je sais que t'es arrivé hier soir, là, mais il faudrait vraiment que je te voie. Si tu veux, je peux passer tout à l'heure, là. À quelle heure? Ben, vers 11h, mais je resterai pas longtemps. Ah, c'est parfait. Je t'attends. OK, bye. OK, bye-bye, là. Un petit imprévu. Ouh, je pense que ça y tentait pas ben. Tu penses pas que tu pousses un peu, là, s'il est arrivé hier soir? Faut que je règle ça le plus vite possible. Mais c'est parce qu'il est contracteur, hein? Il sait que c'est normal d'avoir des imprévus dans des projets comme ça. Il va comprendre ça. Faut que j'y parle, c'est tout. Ben, c'est ton père. T'as quand même pas peur qu'il te mette à la porte, là. Tu fais plus l'affaire avec Nex. C'est peut-être mon père, tu te mets mais de la pression, Isabelle. Le projet va bien, là. La programmation avance. Fait que relax, regarde, là. Regarde, là. Je pense que ça m'énerve plus que la première fois que je l'ai rencontré. Fait que pousse pas, OK? De siège sur Montréal, c'est-il 349$ pas cher? Ah. Il y a un peu de nervosité dans l'air. Je vais essayer d'aller calmer ça. Ce sera pas long, je vais revenir. C'est une de tes filles qui veut te voir? Ouais. Laquelle? Sophie ou Isabelle? Isabelle. Ah, tu vas au cinéma, alors. Je peux venir avec toi? Non. J'aimerais mieux pas. Ce serait trop vite, là. Oh, très bien, j'ai compris. Non, c'est que... Ben, j'aimerais mieux qu'on attende avant que tu rencontres mes filles. Hein? Qu'on attende quoi? Ben, je sais pas. De toute façon, on n'avait pas dit qu'on passerait la journée ensemble, nous autres, hein? De toute façon, ce sera pas long. Je reviens tout de suite. Bon. OK. OK. Bye, ma belle, je reviens. Bye. Écoute, il est tellement romantique, Hugo, là.
J'ai passé la soirée à l'écouter. Et la nuit avec ça? Non. Non, il est pas comme ça. Il a bien vu que je le trouvais de mon goût. N'importe quel gars aurait essayé d'en profiter, mais pas lui. C'est ça que je trouve romantique. Mmh. Ben, qu'est-ce que vous avez fait d'abord? On est allé prendre une marche dans le parc. Puis c'est intéressant à moi. Tu sais, il voulait savoir toutes sortes de choses sur moi. Ben, c'est normal, il te connaît pas. Non, 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 non. Pas ce genre d'affaires-là, là. Tu sais, il me demandait qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je pense. Ça m'a fait assez de bien, là. Non, ben là, ma petite fille, c'est grave. Comme quelque chose que j'ai jamais goûté avant, tu sais, comme du caviar ou du champagne. Comme s'il m'avait allumé. J'avais une petite flamme en dedans de moi. Je voyais même pas qu'il était là, comme de la braise, mettons, là. Lui, il souffle dessus, ça fait une belle flamme toute chaude, là. Mmh. Ouais, mais laisse-moi le dire qu'avec mon Jérôme, moi, ça fait un bon bout de temps que la flamme a pas monté. Moi, je pense qu'il y a des sortes d'hommes. C'est comme des catégories. Des fois, ben, t'es chanceuse. Tu tombes sur ta sorte à toi, puis là, ça vient te chercher. Mais... Ben, si tu le compares à Benoît, c'est sûr que c'est pas tout à fait le même genre. Mais non, hey, écoute, Benoît, il est doux, là, mais c'est pas un romantique, tellement préoccupé par ses affaires. Mm. Non, non, lui, comment je me sentais, là, ça y passait 100 pieds par-dessus la tête. Même j'ai l'impression que ça le tenait. Avec ce qu'on sait maintenant, ça te surprend-tu, toi? Non, 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 mais c'est pas juste ça, là. Avec Hugo, c'est comme... Hier, là, je le regardais dans les yeux, puis c'était fiévreux. Oh, fiévreux? Oui, c'est fou, hein? Je sais pas comment dire, on était juste là, ensemble, on faisait rien de spécial. C'est ça, je me sentais fiévreuse. Ben, moi, à ta place, là, je niaiserais pas. C'est bien beau, les promenades dans le parc, là. Mais tu sais, la fièvre, là, si t'en profites pas quand t'as passé, après, là, tu l'attrapes juste quand t'as la grippe. Oh. L'hiver approche, alors réservez tôt et épargnez gros sur une croisière Carnival. Au lieu de pelleter, fêtez! Ou bien danser. C'est tellement Las Vegas. Allez, maintenant, tout le monde à la piscine. Oubliez vos soucis et votre régime. Appelez votre agence de voyage Carlson Wagonly aujourd'hui même et renseignez-vous sur nos offres spéciales. Carnival, à chacun son plaisir. L'hiver approche, réservez tôt, épargnez gros avec Carnival. Bye bye, hiver. Puissant, révolutionnaire et amusant, équipé du VVTi et un tout nouveau concept d'espace, la nouvelle Echo de Toyota. Vraiment, rien ne peut arrêter l'Echo. Hasta la vista, Bibit. Changer de lunettes, changer de look. Lunettes Renew Look. Mercredi, ne manquez pas Piment Fort à 17h. À 17h30. Au TVA+, la livraison à domicile évolue. Bientôt par Internet, vos films préférés seront livrés dans votre téléviseur. Au TVA de 18h. Plongez en direct dans le cœur de l'action avec Pierre Bruno et le plus grand réseau de journalistes au Québec. Et à 18h30, Jet Set. Où il y a des stars, des soirs de première, des lancements de disques, eh bien, il y a Jet Set. Ce mercredi dès 17h à TVA. Vous voulez célébrer l'action grasse? Alors... Avec Future Shop. Cette fin de semaine, c'est le grand événement de l'action grasse et Future Shop vous sert toutes sortes d'économies. Cet ordinateur Pentium 3 de 550 MHz avec graveur de CD et DVD est à $999. Et recevez instantanément $100 de rabais additionnel en vous abonnant à Internet avec AT&T Canada. Hâtez-vous et ne manquez surtout pas l'événement de l'action grasse. Future Shop, vous savez ce que votre futur vous réserve. Chanceuse! Changer de lunettes, changer de look. Lunettes Renew Look.
pas si je m'imagine ça, mais... On dirait que t'as pas l'air dans ton assiette, toi. Non, non, ça va. Tu te vois pas. Ben, qu'est-ce que tu vois, là, Hubert? Dis-moi donc ça. Ben, tu m'appelles pour me dire si c'est correct que je viens de voir. Là, t'arrives ici, puis il se passe rien. Tu dis pas un mot. Bon. Mettons que c'est pas facile en ce moment. Sur tes tournages? Ouais. Je vais embarquer sur une grosse production, mais ça va marcher. Ben, je sais pas pourquoi, là, le téléphone sonne plus. Y a rien qui s'en vient par le petit vidéoclip que je fais. Ben, reviens travailler à Friperie. J'assume que ça va super bien, ces affaires. Ah non, tu vas pas recommencer avec ça, là. Non, mais en attendant d'avoir un autre tournage, là, je suis sûr qu'elle pourrait te dépanner, moi. Je te l'ai déjà dit que la friperie, c'était du passé. Non, mais elle doit une fière ampoule, là, Jacinthe. Tu t'avais pas été là pour y ouvrir les portes de la télévision, là. Ben là, t'en repères, hein? Une fière chandelle, peut-être? Ah. Oh. De toute façon, ça fait longtemps qu'on s'éclaire plus la chandelle. De toute façon, la langue française, moi, des fois, je trouve que ça fait vieux jeu. Non, c'est vrai, il y aurait plein de mots, là, qu'il faudrait arranger un peu, comme ça, là. On va te faire nommer à l'Académie française, ce sera une bonne job pour toi, ça. C'est quoi ça, l'Académie française? Une gang de vieux chenouks à qui on doit une fière chandelle, justement. Ah! C'est payant? Oublie ça, je fais des farces. De toute façon, t'aimerais pas ça, puis tu trouverais le train, là. Aïe! Jacinthe, as-tu fait un nouveau chum? Ah, je suis pas au courant. T'as entendu parler de quelque chose? Oui, puis non. C'est qui? Je sais pas. De toute façon, c'est pas important, puis je m'en fous. Ouais. T'as dit que t'es dur à suivre, mon Benoît. Avec ça, il te manquerait juste une petite peine d'amour, hein? Ouais. Est-ce que c'est ça qui était si urgent? Ah, allô? Ça va? Oui. Ben oui, je suis en train de mesurer. Ça m'est passé par la tête. On devrait faire un bar. Un bar? Ah, c'est une bonne idée, ça. Ben oui, je sais pas pourquoi on y a pas pensé avant. J'étais assis là, puis je t'attendais, puis là, tout d'un coup, ça m'a flashé. Sauf que... Je trouve que je pense qu'on n'aura pas assez de place. Comment ça va, toi? Ah, ça va bien. C'est... Ouais. J'ai quelque chose à te montrer. Je veux pas que tu freaks, là. Hein? Ça, c'est le bilan que je t'ai préparé. J'ai pas pu faire mieux. 42 360 pièces de dépassement? Ouais, je viens de parler de mes morts. Ben, c'est le contracteur. J'arrivais pas à le contrôler. Les heures supplémentaires, les travaux qui étaient pas prévus. À lui tout seul, c'est 90 % du surplus. Dufresne et Lamoureux, je t'assure qu'on aurait un bon prix avec eux autres. Là, tes petites pointes de tarte en couleur, tu t'es donné ben du trop pour rien. Puis là, vous avez plus d'argent en caisse, c'est ça? T'as pas d'allure, hein? Ouais. Mais 50 000 piastres, qu'est-ce que c'est quand tu réalises un rêve? Quel rêve? C'est votre rêve. C'est ce que vous vouliez faire, non? Sauver le cinéma L'Espérance en faire une salle de spectacle? Oui. Oui, c'est ça qu'on voulait, mais toi? Ah, on va s'arranger. Je vais me mettre de l'argent dans la cagnotte. Quand ça va ouvrir, on va se rattraper. Ah, OK. Mais je sais pas, moi, je pensais que tu m'avais dit que tu voulais pas perdre une scène là-dedans. Dis-moi, j'ai dit ça? Oui, me semble. Le jour du feu. Ah, mon Dieu, on était tous bien énervés cette journée-là, hein? Ah bon, OK. OK, c'est parce que je pensais que... Ben, je pensais que ça allait pas bien, tes affaires. On jettera pas de l'argent par les fenêtres, on n'est pas obligé, là, mais ça va pas trop mal. Puis je vais regarder ça de plus près, il est allé pas mal fort, le contracteur. Ah, allez, viens. Mais sais-tu, le bar, là, sais-tu où tu devrais le mettre? Dans la salle, mais en arrière. Comme ça, ça éviterait le va-et-vient, puis la halle serait intacte. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Je vais envoyer un de mes gars regarder ça, prendre des mesures, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ça devrait pas être bien, bien compliqué. Mais c'est une bonne rentrée d'argent, un bar. Écoute, on regardera ça de plus près quand le décalage horaire sera passé. Hein? c'est tout? Il n'y avait pas d'autre chose? Non. Mais t'es sûr que tu vas être correct, là? 42 000 piastres, c'est beaucoup d'argent. C'est la vie. Oh, putain, 17. Il a rien dit. J'en reviens pas. Ton père, ça, il a rien dit? Oui, j'ai même parlé d'un bar puis embarqué tout de suite. Tu as parlé d'un bar? Oui.
C'est-tu drôle? J'ai déjà pensé à ça, mettre un bar ici. Sauf que quand c'est devenu serré dans le budget, là, j'ai passé mon temps. Ah oui, oui, c'est ça. Ça se sent qu'il dit. J'avais pensé à un bar, moi. Tu vois, j'avais raison, hein. Tu t'en faisais pour rien. Ben là, pour rien, je sais pas. On va voir. C'était une première rencontre. Mais je m'excuse. J'étais pas du monde depuis quelques jours. C'est correct. Tu serais pas toujours de même, tu sais. Ça aussi, c'est correct. As-tu vérifié pour cette île? Non. Non, j'y pense encore. T'as pas peur d'être déçu? La dernière fois, quand t'es allé, t'es revenu tout croche. Ouais, je sais. Mais c'est parce que, aussi, y a ça. Je suis en retard dans ma programmation, puis. Ah, ben, ce serait le fun quand même qu'on en discute avec mon père. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, hein? Ah, non, je sais, mais juste pour le tenir au courant, là, pour l'impliquer un peu. Non, 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 non. Isabelle, on pourra pas travailler 20 sur la programmation, ça va être l'enfer, non? Non, non. Juste pour l'informer. Juste pour lui dire où on s'en va. Ben, écoute, pourquoi pas si tu penses que c'est la bonne chose à faire, hein? Tu vas voir, ça va bien marcher. Ouais. Mmh. Ah. Sophie est pas là? Non, elle et Sébastien ont rencontré un fournisseur ce matin. T'as fait bon voyage? Oui. C'est pas grave, je vais revenir. T'es venue t'excuser? Comment ça, m'excuser? Sophie est bien même malheureuse depuis sa fausse couche. J'ai essayé de l'appeler au moins 5 fois. Elle voulait pas me parler, elle me raccrochait au nez. Avec ce que t'as fait pendant le feu aussi? Comment ça, ce que j'ai fait pendant le feu? Ouais, c'est pas moi de le dire, c'est à toi de t'arranger avec ta conscience. J'ai pas de problème de conscience. J'ai juste des problèmes avec ma fille parce que je peux pas lui parler pour lui expliquer ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est pas clair ce que t'as fait, là. T'as envoyé Hubert dans le sous-sol? Il s'est fait blesser? Ben, j'ai jamais envoyé personne dans le sous-sol. Qu'est-ce que c'est que cette hystérie-là? Ah, je suis hystérique à cette heure. Ça doit te faire plaisir de croire que j'ai quelque chose à voir dans l'accident d'Hubert, hein? Mais inquiète-toi pas, je vais tirer ça au clair. C'est un maudit feu-là. Laissez entrer chez vous cette nouvelle idée toute fraîche de Bounce. Le nouveau désodorisant textile Bounce. Entourez-vous d'un monde où tout est si frais. Le jet Bounce chasse les odeurs et laisse chaque jour chez vous un doux parfum tout frais. Quelle bonne sensation, ça sent toujours si bon. N'est-ce pas merveilleux de faire naître la fraîcheur? Le désodorisant textile Bounce et la fraîcheur renaît. Max, t'as quelque chose ici? C'est du rouge à lèvres. Ah, c'est une blonde? Ben oui, c'est Julie Monet. Vos enfants sont toujours d'accord quand vous leur servez Hamburger Helper. Puis elle est plus vieille que lui. C'est même pas vrai! De 7 à 6e année, pas des jours doublés. Ah, c'est qui ça? Ben, c'est Julie Monet, cette affaire. C'est donc, leur doublé combien de fois? Et maintenant, ajoutez à vos menus le nouveau Chicken Helper. Dès le 9 octobre, voyez Jet Set à 17h30. Jet Set provient vous livrer toutes les nouvelles artistiques et les primeurs avant tout le monde. Soyez les premiers à tout voir grâce à Jet Set dès 17h30 à compter de ce lundi 9 octobre. Maintenant à l'affiche dans les salons près de chez vous, le nouveau maïs a éclaté, l'ultime style cinéma d'Orville Redenbacher. Notre sachet à verser vous permet d'ajouter toute la garniture au beurre que vous désirez. Rien ne vous offre plus de fraîcheur et de saveur de beurre. Le nouveau maïs a éclaté, l'ultime style cinéma d'Orville Redenbacher. Encore meilleur qu'au cinéma. Je suis le seul qu'on se Giuseppe et TVA présente Droit d'auteur. Cette histoire est à moi seule. Vous êtes en train de faire de moi une profiteuse sans scrupule. Je
Je ne vais pas vous blesser pour rien au monde. Tu as fait de moi une coquille vide. Une âme morte. Mais je ne suis pas votre ennemie, Ruth. Je vous aime beaucoup. Tu savais que cette histoire m'appartenait et tu l'as écrite quand même. Droit d'auteur. Au théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts jusqu'au 14 octobre. Les techniciens de la scène veulent faire la grève. Maudit syndicat. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le temps des grèves. Dans la construction? Non, c'est dans une salle de spectacle, le Palladium. Tu sais, les gars sont en coulisses, ils allument des lumières puis ils trouvent qu'ils sont pas encore assez payés. Tu te dis, moi, là... Et qu'est-ce que tu vas faire quand les techniciens vont vouloir se syndiquer dans ta salle de spectacle? Mais il n'y a pas de danger, ça arrivera pas. Over my dead body. Mm-hmm. Bien. T'es prêt. Ah! Bon, je ne les ai pas fait moi-même, mais... Oh, wow, c'est magnifique, Jennifer! Wow! Ça va être bon, ça! Oui. Alors, cette business familiale? Alors, c'est pas tout à fait encore une business familiale, mais ça va le devenir. Alors, t'as acheté un vieux cinéma pour que tes deux filles travaillent pour toi, c'est ça? C'est une manière de simplifier les choses, toi. Non, mais je t'en ai déjà parlé. Isabelle, elle a été élevée par sa mère. Et puis, ça fait pas très longtemps qu'on s'est retrouvés. Oui, je sais. Ouais, bon, ben, c'est ça. Alors, je retrouve une de mes filles que j'ai pas vue depuis longtemps. Je la connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle travaille avec mon autre fille sur un projet. Sauver un cinéma. Qu'est-ce que je fais, tu penses? J'achète le cinéma. Oui, mais à quoi veux-tu en arriver au juste? Mais je sais pas, j'aimerais ça que les filles partagent des choses, tu sais, comme si elles avaient été élevées ensemble. Mais Jean-Denis, elles ont 25 ans. They're not kids anymore. Oui, je sais, mais il me semble que si elles travaillent ensemble, elles vont apprendre à se connaître, non? Hein? Tu rêves. Ça ne marchera pas. Et rappelle-toi, quand t'avais 25 ans, est-ce que t'avais envie de te faire organiser comme ça? Non, je sais pas désorganiser. C'est difficile pour les jeunes aujourd'hui, y a pas d'ouvrage. Tout ce que je veux, c'est leur donner un coup de main pour partir dans la vie. En tout cas, moi, à leur place. Moi, toi, tu peux bien parler, toi, Jennifer Ewan. Tu fais ton cours d'architecte, puis après ça, tu rentres dans le plus gros bureau de Toronto. Et comme par hasard, ce bureau d'architecte-là appartient à ton père. Hein? Touché. Non, je veux seulement leur tendre une perche aux filles, tu sais, aux deux filles. J'aimerais ça. Et tu penses que ça peut marcher? Je veux dire, que ça peut être rentable. Oui. Il y a des bonnes chances. Bon. Oh non, on va pas avoir la paix. Je reviens tout de suite. Allô? Ah, allô. Quand j'ai su que t'étais en ville, ben, je me suis dit qu'il fallait qu'on se parle. Ben oui, justement, je voulais t'appeler. Sophie, Jennifer, Sophie. Mais c'est peut-être pas le bon moment, là. Vous étiez en train de manger. Je vais revenir. Non. Allez-y. Je vous laisse. Non, Jennifer, tu peux rester. Reste. Au revoir. C'est ta nouvelle blonde? Non. Enfin, oui, c'était... On était justement en train de parler de projet, là. C'est ensemble qu'on a fait Toronto. C'était avec elle que tu trompais maman, tu veux dire? Attends une minute, là. Non, je pense que c'est toi qui aurais dû attendre avant de l'amener ici. Voyons, Sophie! Sophie! Isabelle? Ah, oui? Je suis content que tu sois là. Je veux pas te déranger, là. Ce sera pas long. Non, mais tu me déranges pas. Assieds-toi. Ah, ben merci. C'est juste que je voulais te dire, tu sais ce que tu m'as dit l'autre jour, là, qu'il faudrait peut-être que je me trouve quelqu'un pour m'aider. Ben, c'est fait, là. J'ai quelqu'un. Ah oui? Ouais. Pis c'est pour ça que je voulais te parler. Je voulais juste m'assurer qu'il ne te viendrait pas à l'idée de... de m'exproprier. T'exproprier? Mais voyons, de quoi tu parles? Ben... Je t'ai entendu parler l'autre jour, là. Je sais que tu cours après l'argent. Puis c'est sûr que le troisième étage, tu pourrais le louer bien plus cher que ce que je paye. Ah, Hubert, arrête de dire des niaiseries.
Tu peux rester là tant que tu veux. Puis il va y avoir une job pour toi après, quand tu iras mieux. Ah ouais? Ah, ben, je suis bien content d'apprendre ça. C'est juste que je me disais, si on est deux à vivre en haut, puis qu'il faut que déménager... Non, il n'y a pas de problème. Tu peux rester là. Ah, ben, je suis bien content. Je suis bien content de savoir ça. Comme ça, il y a quelqu'un qui va venir rester avec toi. Je savais que je te trouverais ici. Oh, ça va pas. Je suis allée chez papa. Ah oui? J'avais envie de régler ça, tu sais. Pour le mariage, pour le feu. Puis? J'ai pas eu le temps. Je suis tombée sur sa maîtresse. Bon. Je m'attendais tellement pas à ça. Là. Écoute, c'était trop. J'ai déjà sa nouvelle blonde avec lui, chez vous. C'est niaiseux, j'aurais dû téléphoner. Ça m'a tellement mis en maudit, je suis partie en claquant à porte. En claquant à porte, à passer. Je l'ai vraiment pas, hein. J'essaie de discuter avec maman, pas capable. Là, je vais chez mon père, je tombe sur sa maîtresse. Peut-être que t'essayes trop. Tu peux pas tout régler tout en même temps. Oublie ça pour un bout de temps. Occupe-toi-en pas. Occupe-toi-en pas? Mais voyons pas, j'étais le cinéma en face, puis maman travaille avec nous autres. Je peux retourner à la boutique tantôt, moi, parce que je me suis dit, si je la vois, c'est bien simple, je pète une crise. Hey, OK, on va aller manger, en amoureux. Mais non. Là, ta mère est à la boutique, là, y a pas de problème. OK? Puis en mangeant, on va organiser un petit horaire. Ça, quand toi, t'es à la boutique, on dit à ta mère qu'elle peut prendre un break, puis quand t'es pas là, on la fait rentrer. Hein? Ouais, c'est peut-être une idée, mais... Y a pas de mais. Pour les deux prochaines semaines, on fait comme ça. Un point, c'est tout. Ouais, t'es décidé? Ouais. Hey, j'ai faim, moi. Bon, on va trouver quelque chose en mangeant, OK? J'aime ça quand t'es de même. Non, ben là, ça va faire, là. Moi, je vais me mettre à caler les shots, sinon ça finira plus, ça, cette histoire-là. Une chance, là. Ça y va, j'ai faim. Ça te dérange vraiment pour Sophie, hein? Elle a mal pris ça, t'es sûr? Elle prend toujours tout de travers. Avec elle, si tu mets pas deux paires de gants blancs... Elle est tellement différente de sa sœur. C'est peut-être la manière dont elle a été élevée. Tu lui tends la main, elle pense que tu vas lui donner une claque. Ça n'a pas de sens, être sensible comme ça. Et tu pensais que ton vieux cinéma allait régler tous tes problèmes avec tes filles? Oh non, j'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça. Mmh. Non, mais c'est compliqué quand même en ce moment, tu sais. Sophie, elle était enfant unique, puis là, elle est plus toute seule. Alors, tu penses que Sophie est jalouse d'Isabelle? Non, c'est pas ça que je dis, mais non. Ben, c'est chaque fois que tu parles d'Isabelle, elle est toujours parfaite. Elle est tellement meilleure que Sophie. Peut-être elle sent ça. Non, tu l'as pas du tout, là. Elles sont différentes, c'est tout. I don't know. C'est peut-être plus compliqué que tu le penses. Moi, je pense que Sophie est vraiment blessée. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est à ça que je pense, là. Faudrait que je lui parle. Et si moi, je lui parlais? Tu sais, des fois, entre femmes... Non, Jennifer, t'as même pas de ça. C'est déjà assez compliqué comme c'est, là. OK. Je m'embelle pas. Si j'essayais d'aller régler ça cet après-midi, ça te dérangeait-tu beaucoup? Mais je pensais qu'on devait rester ici toute la journée et peut-être faire un petit tour là. Ouais, mais ça sera pas long. Je fais un aller-retour, puis... Non, c'est correct. I'll go shopping. On se retrouve ici un peu plus tard. Hein? Toi là. Mm-hmm. Je t'aime assez, toi. Mm. Approchez. Je vais vous montrer quelque chose. Cet objet est le symbole de l'épargne depuis des générations. C'est celui-ci, celui de l'Industriel Alliance, une compagnie d'assurance qui protège des milliers de familles depuis plus de 100 ans. Les deux combinés illustrent bien
l'évolution de l'industriel Alliance, assurance et services financiers. Une entreprise solide offrant tous les produits d'assurance, d'épargne et de retraite. Johnson's Kids, votre enfant est une star. Il a tout pour être star. Toute une star, vous allez voir. L'attitude et l'espoir. Il a tout pour y croire. Nouveau shampoing et deux en un. Johnson's Kids, pas de larmes, pas de nœuds et l'air d'une star. Il a tout pour être star. Voyez-le prendre son départ. Un jour ce sera la gloire. Il a le look d'une star. Il a tout pour être star. Toute une star, vous allez voir. Johnson's Kids. Eh oui, on a rompu. Puis c'est une bonne affaire, là, t'as raison. Mais si tu voyais comme je suis bien installée, là, mes meubles, mon sofa, ma cuisine, c'est assez beau, là. Ah, oh, puis mes voisins sont fins, là. Toujours là pour m'aider. Oui, je vais aller faire un tour chez eux pour me remonter le moral. Merci à toi. Bye. Ça semble à ça une job. Desjardins fête ses 100 ans avec le concours Les 100 jours Desjardins et le réseau TVA. Un gagnant chaque jour pendant 100 jours. Aussi le Grand Prix du Centenaire, suivre le Circuit du Soleil sur 3 continents. Participez et écoutez Salut Bonjour tous les jours. Nous savons ce que vous pensez des pommes de terre instantanées. Et on ne peut pas vous blâmer. Mais les pommes de terre Betty Crocker sont si bonnes qu'elles confondront même les plus grands sceptiques. Voici les purées gratins Betty Crocker, faits avec de véritables pommes de terre à 100% et apprêtées de 8 délicieuses façons. S'il y a quelqu'un qui peut vous faire aimer les pommes de terre instantanées, c'est bien Betty Crocker. Si la vie vous semble parfois un peu floue, ajustez vos yeux. Profitez d'une correction de la vue au LASIK avec le docteur Michel Pop, et ce à partir de $60 par mois pour les deux yeux. 381-2020. 381-2020. Clinique Michel Pop. La liberté en vue. Ok, disons que je mets map le 26. À ce moment-là, 19-21, je pourrais mettre... Non, Trudel, 19-21, c'est trop ça. Trois soirs pour lui, ça marche trop, il n'est pas capable de remplir ça. Qui c'est que je pourrais bien mettre, là, ça? Voyons. 8, ça suffit. Yes, sir, 8, ça suffit. 19-20-21, map 26, Victor. All right! Maintenant, on va regarder s'ils sont disponibles, les autres. Tiens! Je les ai trouvés dans une succession à Westmount. C'était dans le journal ce matin, fait que... En venant, j'ai fait un détour, puis j'ai craqué. Hey, tu parles! Ils t'ont-tu vendu ça cher? Une pinotte. En plus, il avait l'air tout surpris que ça m'intéresse. cet après-midi, je vais aller voir un film avec Hugo. Un film? En plein après-midi? Ouais, mais il aime tellement le cinéma, Hugo. C'est mon stage la semaine prochaine, hein? Fait qu'on en profite. Oh oui, c'est vrai. J'avais oublié. Tu vas être partie pour deux jours. Ah, mais ça va me servir, c'est sûr. Dans le fond, je sais pas, moi, comment ça marche, les costumières à la télévision. Mm-hmm. J'ai bien du rattrapage à faire. Benoît, es-tu repassé? Non, non, je l'ai pas vu, moi. Oh, je me sens assez mal par rapport à ça. Penses-tu qu'il a entendu qu'est-ce qu'on disait? Ah, oh, moi pis ma grande gueule aussi. Oh, écoute, tu pouvais pas savoir. Ouais. Je me demande s'il est pas chez Hubert. Je pense que je vais appeler. Hey, c'est comme courir deux lièvres à fois, ça. Benoît, c'est un grand garçon. S'il y a quelque chose à te dire, il va te le dire. Ben oui, t'as raison. Bon. Je suis correcte, là. T'es parfaite. Allô? Allô? Écoute donc, ça a-tu été tranquille comme ça tout le temps qu'on était partis? Ah, oh, oui, oui. En fait, non, pas vraiment. Là, ça a-tu été tranquille ou ça a pas été tranquille? Ben, je pense que c'est mieux que je te le dise, là. C'est Jean-Denis. Quoi, Jean-Denis? Il est passé ce matin, il voulait parler à Sophie. On a eu un petit accrochage, là. Il n'y a pas de quoi se vanter. Mais là, il y a une heure, il m'a téléphoné.
Oui, allô, ça va? Je voulais te dire, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, est ici avec moi. Paf, comme ça. Je veux pas m'immiscer dans votre vie, là, mais je voulais te le dire parce que je pense que Sophie pourrait prendre ça mal. C'est quoi cette affaire-là, là? J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Comment je suis supposée me sentir, moi, là? Êtes-vous toujours obligé de vous sentir? Ben... Non, mais je veux dire, au moins, il est franc, il prend la peine de vous appeler pour vous le dire. Depuis quand Jean-Denis est franc? Oh non. Là, moi, je suis pas faite en faire, là. Sophie qui me fait des crises, Jean-Denis qui me dit qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hey, ça fait juste un mois, ça, là. Puis un mois, qu'est-ce que je dis là? Ça fait peut-être bien plus longtemps que ça qu'il est avec Jennifer. Ah, c'est peut-être pas Jennifer, hein? C'est peut-être quelqu'un d'autre. Bon, excusez-moi, là, je voulais juste vous parler du nouvel horaire. C'est quoi ça? Ben, c'est parce qu'on a regardé ça, moi puis Sophie, là, puis on va organiser ça autrement, la façon de travailler à la boutique. On va prendre comme les quarts de travail. Excuse de t'avoir dérangé avec mes affaires. Non, c'est correct. Moi, je vais y aller. J'ai une autre chose à faire. Une heure? Après ça, je reviens à 5 heures, mais c'est bien mêlant, ça. Ben oui, ça m'a surpris que tu les aies pas pris ce matin. Ouais, c'est parce que... Le bilan que tu m'as donné, là, c'est bon pour l'idée générale, mais le détail des factures, c'est utile aussi. Hein. Ça me trottait dans la tête. Ah ouais, tiens, c'est ça. J'ai l'impression que tu t'en es fait passer une petite vide par du fun et l'amoureux. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose avec ça. Tu voulais pas te reposer aujourd'hui? Te remettre de ton décalage horaire? Oui, mais je veux régler ça. Ça, puis une autre petite affaire aussi. Là. Oui. Veux-tu encore boire quelque chose? C'est quoi l'autre petite affaire? Ben, tu sais, en Europe, là, j'étais pas tout seul. C'est quoi le rapport? Ben, je t'ai déjà parlé de Jennifer. Ben, tu sais, on fait des projets ensemble. Ben, je l'aime bien, tu sais. C'est quoi, là? Tu veux que je te dise que c'est correct? Non, je voulais juste que tu le saches et tout. On est une famille, on se dit tout, c'est comme ça. T'es en train de me dire qu'on est une famille, c'est ça? Ben, une sorte de famille. Puis là, c'est ça, ben, Jennifer, elle devait retourner à Toronto, mais elle a décidé de rester à Montréal quelques jours, puis elle est à la maison, là. Comme j'aime les choses transparentes, j'ai même téléphoné à Mireille pour la mettre au courant. Puis Sophie? Ben, c'est ça, Sophie. Elle m'a un peu devancé. On mangeait tout à l'heure à la maison, puis elle est arrivée comme ça, là. J'ai l'impression qu'elle l'a pas pris. Ben, comme t'es la sœur aînée, ben, je veux dire, nous autres, on peut se parler, tu sais. Tu te casses pas en 1000 morceaux s'il y a quelque chose qui fait pas son affaire, hein? On est un peu d'égal à égal, quoi. Je te demande rien, là. Je veux juste que tu le saches, tout. Tu sais, je suis pas un moine. J'ai pas fait de chasteté. Non, mais si elle m'en parle, je dirais ce que j'en pense, mais... Là, tu voulais pas que j'y en parle, quand même. Non. Je veux juste te le dire, c'est tout. Rien de plus. J'en ai jamais eu de sœur, moi. Puis j'ai jamais eu de père non plus, tant qu'à ça. Je sais pas comment ça marche. Ben, c'est que vous alliez sûrement vous en parler un jour, alors je voulais pas qu'il y ait de surprise pour personne. Alors je mets tout sur la table, c'est tout. OK. C'est parfait. Je sais pas pourquoi tu joues sur mes ordinateurs à 5$ quand ta boutique est pleine de machines. La boutique, en train de virer en bureau psychologue. T'avais de charger pour les consultations. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben là, on fait plus de l'informatique, on fait de la problématique. Problème des uns et problème des autres. Ah. C'est Mireille, ça? C'est toute la gang, si tu me demandes mon avis. Les vrais enfants. S'est-tu passé quelque chose?
Ben, il s'est passé que Mireille, elle aimerait ça avoir un bébé, puis Jean-Denis s'est parti un harem, tu sais, rien de spécial, là. Ah, Mireille veut... Non, parle pas d'histoire, là. Ça de même. Il est de mauvaise humeur, le gars? Non, je suis pas de mauvaise humeur, OK? Juste ça, m'occuper de ma business avec ma blonde, pas compliqué, ça. Un nouveau moteur révolutionnaire. Un nouvel intérieur révolutionnaire. Une nouvelle voiture révolutionnaire. Voici la Toyota Echo. Découvrez pourquoi elle fait grand bruit. Vous savez, nous, le Super Club Vidéotron, des nouveautés, on a des tonnes de copies. Pis ça énerve. 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 Des tonnes de copies. Pis ça énerve la concurrence. Des tonnes de copies. Pis ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça énerve. Merci. Participez au concours Sachet Surprise de Bruno-Martino et courez la chance d'être invité à une soirée VIP au restaurant Hélène de Champlain. Plus de 85 000 $ en prix seront remis. Venez voir nos produits summum comme ce fauteuil à 549 $ et ce sofa à 699 $. Bruno-Martino, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Préparez-vous pour la nouvelle saison. Voyez les événements qui ont tout déclenché. Tout est là pour y prendre le Kodak, pour y passer sur le corps. Ça se peut qu'il perde une jambe. Quoi? Faut que t'ailles à police. Mon frère, j'ai pas le choix. Deux frères, dernier épisode de la première saison, ce jeudi 20h. Nouvelle instantanée gagnant à vie de l'Auto-Québec. 1 000 $ par semaine pour la vie. Un ado subit un terrible accident. Oh mon Dieu! Mais il reprendra goût à la vie. Tu veux m'attacher là-dessus? Miracle au Kansas. Une histoire vraie. En primeur ce vendredi, 20h. Il y a un seul produit qui assouplit les vêtements. Qui rend les dents plus blanches. Qui rase de plus près, qui dégage un parfum enivrant et qui vous donne 3 épaisseurs de douceur. C'est la carte à points Pharmaprix Optimum. Elle est gratuite et vous permet d'obtenir des produits en magasin gratuitement. La carte Optimum, pas de soucis, il y a Pharmaprix. Participez au concours Sachet Surprise de Bruno-Martino et courez la chance d'être invité à une soirée VIP au restaurant Hélène de Champlain. Plus de 85 000 $ en prix seront remis. Venez voir nos produits Concept 2, comme cet ensemble laveuse-sécheuse à 699 $. Bruno-Martino, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Quand je l'ai vu chez nous, là, dans le salon, avec Jennifer, il faisait pas ça contre toi. Ils reviennent de voyage. T'es au courant? Ben, un peu. Il m'en a parlé. Il t'en a parlé à toi? Comme ça, pas en détail. Ils sont revenus de Paris hier soir. Elle devait retourner à Toronto ce matin, mais elle a décidé de rester une journée de plus. En tout cas, moi, il me l'a pas dit. Lui, en as-tu laissé le temps? Moi, je dis ça de même, hein, mais je te dis ce que je pense. Si tu en avais laissé la chance, il te l'aurait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est pas un enfant, Jean-Denis. Pourquoi il jouerait des jeux comme ça? Ben, je sais pas. C'est juste qu'il l'amène chez nous comme ça. Je trouve ça vite, c'est tout. Peut-être que... Enfin, c'est pas à moi de te dire ça, mais il semble que tu devrais baisser le ton. Si tu penses que c'est facile. Non, mais à t'entendre parler, il ment à tour de bras. Ben, c'est vrai que je le connais moins que toi. Mais des fois, je pense que je le connais différemment. C'est facile pour toi de dire ça. Il arrive dans ta vie à 25 ans. La page est blanche. Blanche. Je pense que tu sais pas de quoi tu parles. On n'est pas pour se chicaner, là. Moi, j'étais venue pour prendre de tes nouvelles. Mais c'est juste que ça m'a surpris, je suppose.
Mais je vais m'y faire. Mais je trouve ça dur quand même, chez nous, le petit repas d'amoureux, quand moi j'allais le voir pour faire la paix. Ouais, ça, va falloir vous reprendre, hein? Bon, écoute, tu fais ce que tu veux, hein? Moi, je disais ça de même. Ah, bonjour. Bonjour. C'est pas bien pratique, les horaires de Sébastien? Je sais pas, moi, je trouve ça pas pire. Salut. Salut. J'espère que t'as pas vendu le petit ensemble que je t'avais demandé de me garder. Mais non. Je t'ai attendu toute la journée. Je suis venu cet après-midi, Yolande m'a dit que t'étais au cinéma. La vie est belle. Mais tu devais pas venir ce matin, toi? Je suis venu aussi. Ma pagette a sonné, je suis reparti de suite. Ta pagette? Parce qu'on a un téléphone ici, hein? T'aurais pu rappeler. Mais t'avais l'air bien occupé, je voulais pas te déranger. Tiens, c'est ça. Ah ben, c'est super beau. Oui? Mm-hmm. Ça va être correct, tu penses? Parfait, parfait. Ben, je te le ramène tout de suite après le tournage. Hey, tu sais, pour ce matin, Benoît, là, c'était juste de même, on parlait entre filles. De quoi tu parles? Non, va pas exprès, là, je suis déjà assez mal de même. Ben, dis quelque chose. Tu veux que je te dise quelque chose? OK. Je reviens vivre dans le quartier un bout de temps pour aider Hubert. Ah oui? Mm-hmm. Hubert, c'est mon chum, il a de la misère. Hein. Ça se fait ça quand un chum a de la misère? Ah ben oui, c'est sûr. C'est gentil. J'espère que ça dérangera pas tes montées de fièvre. Oh, Benoît... Bye. Pardon. Oh, est-ce que vous cherchez Charles? Non, c'est Sophie que je cherche. Je crois qu'elle travaille ici. Ah non, pas du tout, elle travaille de l'autre côté. Ça s'appelle la boîte à puces. Huh. I got it all wrong then. Peut-être que... Et vous êtes... Isabelle. Isabelle Gélina. OK. So you're the sister. Sophie est blonde, c'est ça? Oui, mais c'est quoi, là? I'm sorry. I'm Jennifer. Jennifer Ewan. Ah! C'est beau chez vous. C'est charmant. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Mais c'est que... J'aurais aimé parler avec Sophie parce que... On s'est croisés ce midi et c'était pas très bien. Bad timing. J'ai cru comprendre, oui. Mm-hmm. Et Jean-Denis est inquiet. Je sais qu'elle est plutôt sensible, mais je pensais que peut-être si je lui parlais... Ouais, peut-être. Jean-Denis va beaucoup parler de toi aussi. Ah oui? Oui. Excusez-moi, j'ai une réunion dans quelques minutes. Je dois me préparer. Oh, mais ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Isabelle? Oui? Il faudrait que je me mette des gouttes dans les yeux, puis c'est pas facile tout seul. Oui, oui, viens ici. OK. Assieds-toi. Plus tard. C'est ça? Plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui après Sophie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sophie? Non, rien. Rien. OK. OK. Bonjour. OK. Ah! Bonjour. Bonjour. On m'a dit que je trouverais Sophie ici. Ah oh, non, Sophie vient juste de partir. Elle donne des cours, elle reviendra pas avant ce soir. Est-ce qu'il y aura un message? Message? Non, je crois pas. C'est personnel. Ah, oh, mais je suis sa mère. Vous pouvez me parler, il n'y a pas de crainte. T'es sa mère. La mère de Sophie. Oui, Mireille Bissonnette. Non, mais c'est pas très important après tout. À une autre fois, peut-être. Il n'y a pas de message, rien? Non, ça ira. Merci beaucoup.
son problème, elle. Dans 10 minutes, les funérailles grandioses, solennelles et émouvantes de Pierre-Éliott Trudeau. Les affrontements sanglants qui se poursuivent dans les territoires occupés et la rentrée au bercail de José Théodore. Le matin, c'est jamais facile. Heureusement, il y a le nouveau bagel matin BLT de McDonald's. Du bacon croustillant, de la laitue, des tomates juteuses, le tout sur un savoureux bagel cuit au four tous les jours. Prêt en un clin d'œil? Il vous est offert à seulement 1,49 $. Ah, regarde la foule. Mais je suis pas enceinte. Les grignotis exquises, truly délicieux. La qualité des grandes marques à meilleur prix. En collaboration avec House of Blues Concerts, sont fiers d'annoncer le retour de David Copperfield, Unknown Dimension. 4 super spectacles au Théâtre du Centre Molson, vendredi 10 novembre à 18h et 21h, samedi 11 novembre à 16h30 et 20h. Imaginez, vous disparaissez et vous réapparaissez là où vous le désirez dans le monde. Billets en vente maintenant à la billetterie du Centre Molson sur admission ou au 790-1245. David Copperfield, Unknown Dimension. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai eu, hein? La nouvelle gamme Truly Bébé. La qualité des grandes marques à meilleur prix. Ça y est, j'ai presque tout. Hein? La programmation? Oui, madame. Écoute, je sais pas ce qui se passait cet après-midi, ça a super bien été, les affaires tombent en place. Bonjour. Bonjour. J'ai booké MAP, puis 8, ça suffit. Tiens, je t'ai imprimé une copie de ça, bouge pas, je devrais avoir ça là. Ouais. Tiens. Je savais que tu arriverais. Ah, j'ai passé la journée à gosser là-dessus, moi. Tu sais, tu mets un groupe quelque part, là, ça marche pas avec leur horaire, fait que tu le déplaces, mais là, ça déplace les autres aussi, comme d'habitude. Non. Non? Hey, c'est fun que t'aies réussi à avoir les 8, ça suffit aussi vite que ça. Oui. Puis, c'est correct, hein, pour l'affaire de le montrer à ton père. Avec ce que j'ai là, j'ai aucun problème. Ah! Non, de toute façon, je pense que t'avais raison. Je suis pas certaine que ça va l'intéresser. Il y en a plein les bras. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, rien. Le truc habituel, tu sais. Notre charmante famille. Wow! C'est la première fois que tu me parles de famille, toi? Ouf, comme ça, pour rire. Tu veux pas me le dire? J'aimerais ça savoir ce qui se passe dans ma belle famille. Rien de spécial. Non, puis fais-toi-en pas, on est en voiture, là, hein? Non, j'aimerais mieux qu'on parle de toi puis moi. OK. OK, mais on parle que de nous. Ben, à part Xavier, peut-être. Ce serait le fun de savoir ce qui arrive. Non. Non, regarde. On parle que de nous. OK? Même pas un indice. De toute façon, je sais pas, Isabelle, j'ai pas repensé. En ce moment, j'aborde les problèmes un à la fois, OK? Là, la programmation, c'est presque fini. Il y a ma blonde aussi qui se plaint que je m'occupe pas assez d'elle. Mais je me plains pas, là. Je me plains pas. Bon, gagnons ça seul. Gagnons ça seul. Je me plains plus. Jennifer? Ah.
Ah, t'es là? Je t'attendais. Ah oui? I got lost. Ah, tu t'es perdu? Non, non, j'ai vu plein de belles boutiques and I just took my time. Ça va? Ben oui, oui. T'as parlé avec Sophie? Oui, oui, tout est réglé. Sure? Oui, 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 y a pas de problème. Sais-tu, Jennifer, je pensais à quelque chose. Ce serait le fun si on commençait à démarrer un autre projet ensemble. Hein? Ah, back to business. Non, mais j'aimerais vraiment ça qu'on travaille ensemble, mais ici, à Montréal. Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? Ah, pas ton vieux cinéma. Ah, tu veux pas que je mette de l'argent dans ton histoire de famille, quand même? Non, 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 non. Un développement, je sais pas, moi, des condos, par exemple? Ah, I don't know. Comment, I don't know? T'as pas envie, hein? Mais comment on ferait ça? T'as pas de cash? Comment ça, pas de cash, pas de cash? La construction est presque finie à Boston, là. On va les vendre, les condos, on va rentrer dans notre argent. Oui, dans 6 mois ou 1 an, mais pas tout de suite. Ben oui, mais si on développe, on n'a pas besoin d'autant d'argent pour commencer, hein? Ah, oh, je sais pas. C'est aussi que... Tu sais, avec Jeffrey, mon ancien amoureux, on a beaucoup travaillé ensemble. On avait plein de projets, et puis... Tout à coup, on a arrêté d'être amoureux. Et ça a causé toutes sortes de problèmes. Je veux pas que ça nous arrive, toi et moi. Ah, OK, d'abord, on oublie ça. Tu sais, c'est drôle. J'ai l'impression que tu mijotes quelque chose. Ouais, ben non, pourquoi? Mon loulou, t'es pas en train de... tout flamber dans ton histoire de cinéma. T'es pas en train de faire un folie, hein, avec ton projet de famille?